Alors nous arrivons dans les années 1880, Rodin a reçu la commande pour la Porte de l'Enfer, donc inspiré du poème de Dante. Il va modeler une multitude de petites figurines qui toutes vont trouver une place sur cette fameuse porte. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il va modeler beaucoup d'hommes et de femmes, et parfois il va attendre un petit peu pour les assembler, pour créer ce couple, par exemple, de l'éternelle idole, qui ne sera fait qu'en 1891. On dit que c'est la date, c'est l'époque où Camille Claudel, donc le grand amour de Rodin, est alors enceinte. Ce couple a inspiré des poètes, notamment Rilke, qui, vous savez, a été le secrétaire de Rodin en 1906, mais qui avant avait écrit de longs textes sur le sculpteur. Et notamment, il a parlé de cette sculpture en disant « La tonalité, quelque chose d'un purgatoire, vit dans cette œuvre. Un ciel est proche, mais ce n'est pas encore atteint. Un enfer est proche, mais ce n'est pas encore désabri. » Alors nous nous trouvons devant Ève qui encadrait la porte de l'enfer avec Adam. Et il y a une anecdote très touchante à son propos que Rodin a raconté lui-même à Dujardin Baumettes. Il explique que son modèle posait donc régulièrement pour lui et tous les jours il voyait son corps se transformer. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'arrivait plus à saisir dans la terre. Jusqu'au moment où la jeune femme a fini par lui avouer qu'il était enceinte. Bien sûr, les sciences du se sont arrêtées là. Le poète Rilke des paroles très très belles à son propos. La nuque, d'être horizontale, le dos arrondi, penché, elle paraît à l'écoute d'un devenir inconnu qui commence à s'émouvoir en elle. La force de cet avenir, agissant sur ses propres sens, semble la tirer loin de cette vie troublée et la servitude humble et grave de la maternité. On va voir d'autres sculptures.